Et voilà. Le petit coin de paradis qu'on a trouvé. On est garé juste en haut. Un terrain de foot qui fait 90 mètres. Ensuite, on a entre une structure avec. Tout à l'heure, il y avait une école, Yanis avait peur, ils criaient tous là-dedans parce que les Espagnols ne savent pas parler, ils hurlent. Donc Yanis était déçu, puis finalement, je lui ai dit à mon avis, c'est le cours de sport. Et ça devait être ça, parce qu'ils sont tous partis d'un coup. Et en plus, c'est cool, on peut jouer la nuit parce que. Regardez là-haut, ça s'allume. C'est hyper éclairé la nuit. Oh, c'est chouette. C'est gigantesque. Qu'est-ce que tu nous fais de bon là? Gambas espagnol. Ça va être bon ça. On verra bien. De toute façon, la cuisine, moi, ça peut pas résister. Faut que je vous montre un truc. C'est bon ma fille. Faut que je vous montre un truc. On a eu un monsieur qui est venu nous voir hier. Il nous a vendu des citrons du coin. 1,50€ la cagette. C'est cher, hein? Alors on va s'arroser ça au citron. Ça va, mon fils? Ils vont aller faire un petit pique-nique sur la table. Ils vont faire apéro pizza. Voilà le résultat. Ça sent bon, en tout cas. On va prendre le petit citron. Allez, dégustation. Alors, ma doudou? Trop bon les petites gambas au barbecue à refaire. Ça avait le goût de trop peu? Ouais. Une petite dernière pour le fun, ça aurait été chouette, puis avec le citron local. Donc le monsieur qui nous a amené les citrons hier. Muy bien. Bon bah très bien. Bon allez, j'ai fait un beau cadeau pour la Saint-Valentin quand même. Hein. Ouais. Des belles gambas. Pêchées de mes mains. Allez, bisous. Bon, on va essayer de trouver le lac. Thierry a réussi à mettre des chaussures, on fait un essai. Par contre, il fait beau, mais il y a un petit vent frais. Regardez, on est bien là, on est bien installé. L'air, il est chouette, hein. Il y a l'eau, de quoi vidanger, les poubelles, des petites tables pour pique-niquer. Tout à l'heure, on avait un beau soleil qui donnait dessus, c'était si sympa. Puis bah, là, il n'y a rien autour, donc on est tranquille. Et puis, les enfants sont vraiment à côté. Pour jouer au basket, au foot, et ils aiment ça, ils adorent ça. Allez, on tente l'expérience. On a des belles aussi un beau point de vue sur les montagnes. Voilà les petites côtes en Espagne. C'est quand qu'on rentre? Ah, c'est de la bonne rando ça. On vient de partir il y a 2 secondes. Ils en ont déjà marre. C'est vrai que c'est légèrement en côte. Plaignez pas, papa. Papa, il a mal au pied, il dit rien, lui. Ah là là. Il y a un monsieur qui regarde, arrête. Les beaux citrons. Ça se trouve, ils en mangent même pas, tellement ils sont habitués à en avoir. Il donne pas comme ça le mien à la maison. J'en ai eu un en 3 ans, moi. Joli parc naturel. Ah bah le voilà le plan d'eau qu'on regardait sur les photos. C'est chouette hein. L'eau elle est bleu verte, c'est marrant. Des gros olis. Elle est magnifique. C'est vraiment beau. On aurait bien vu notre camping-car là, juste ici. Mais bon,
Je pense que c'est pas si ça. Au bord de l'eau. Au bord du lac. On n'est pas sûr que ce soit là, par là. Hein. Mon avis, c'est papa, il a le pif. Papa, il est bon, il a le sens de l'orientation, il prend son temps. Il fait chaud. Il fait meilleur là, si on avait du vent là-haut. Ouais. Et c'est vraiment sympa cette balade et on est à 800 mètres. À 800 mètres du camping-car quand même. Allez, on va aller retrouver le bord du lac. Waouh. Ouais, ouais. En fait, je suis... Ouais, waouh, j'avoue. Par contre, attention parce que c'est quand même un lac, donc faut pas tomber dedans, quoi. J'avoue, c'est waouh. La couleur, elle est magnifique. Très joli. On en voulait un lac bleu comme ça, ben voilà, on l'a eu. Voilà, le petit coin sympatoche, on était voir le lac hier, on était franchement bien. Le chef qui fait l'eau, ça va? Ah, c'était un endroit sympa ici, hein. Tous les petits trucs pour, à part un clébard qui est un peu casse-pied, mais... Le petit site est joli. La vue là sur les montagnes, pas très loin le lac qu'on a été voir hier. Harris, on fait le plein d'eau. Il y a pas très loin en plus à remonter une petite pharmacie. Bon, il y avait 2-3 bricoles, mais ça dépanne quoi. On était bien, on est content. En plus, il y a des aires de jeu tout en bas, une grande structure là pour les enfants. Et ouais, un spot bien sympa. Puis bah, quand on a toutes les commodités comme ça, plus le panneau solaire qui chargeait bien hier, bah, on y est tout content. Bon, bah, on va remonter tranquillou vers Andorre. Passera la frontière en fin de semaine. Et puis, je pense, ouais. On va trouver un beau spot normalement. Normalement. On va remonter Andorre, voilà. Puis faire quelques petits achats à la frontière en partant. Allez, salut tout le monde. On y va. C'est parti. Allez, vamos. On fait attention, c'est ouais. Un gros trottoir. Et la vaisselle à doudou. C'est bizarre qu'ils n'ont pas fait une entrée là, mais bon. Ici, ça a l'air d'être comme ça tout le long, hein, t'as vu. Oui, il y a toutes les maisons, tu rentres. Ouais. Ouh. Wow. Allez. Impeccable. Ça va, de toute façon, il y a des dodanes trottoirs partout. Ils aiment la hauteur en Espagne. Allez, on quitte la jolie ville. On est en plein dans les vignes, en fait. Dans ça 300 doit être un... mètres, prendre à gauche sur BV2127. Ça doit être des exploitants. Parce que j'ai vu une espèce de coopérative de vin. Du coup, comme on ne boit pas d'alcool... Voilà, on s'en est pas préoccupé, quoi. Bah, disons que si on boit du vin, on va pas boire du vin espagnol. Hein. Nous, on prend du Bordeaux... On a nos bonnes combines et au prix au litre, franchement, il n'y a pas photo. Hein, c'était chouette. Dommage qu'il fait beau, parce que comme on va rouler un petit peu, on aurait préféré de la pluie, mais bon. On va faire avec, quoi. On a eu notre lot. Non, il fait chouette. Le temps est magnifique. C'est impeccable, là, franchement. Prendre à gauche sur BV2. Elle est marrante, cette voiture. Petit charme bien espagnol, sympa. On a eu la musique, il y a dû y avoir une fête de village le premier jour.
Il vit quand même le village qui, ouais. Il y avait plein de gamins aux aires de jeu. Mais il y a l'école qui est à côté. Ouais, mais c'est bien. C'est un truc un peu paumé, mais il y a de la vie, quoi. Ils avaient mis la musique un peu hier soir, les gamins, et puis à 8h c'était terminé. Il s'est mis en ambiance. Qu'est-ce que tu regardes? Il m'aura touché. Pourquoi j'ai mis de la musique classique dans la carrière? Yo, le wesh wesh. Wesh wesh wesh.